Bonsoir, partagez le direct si ça va aller. Partagez. L'ennemi connaît déjà qu'on ne m'arrête pas comme ça là. Ce n'est pas la première chose qui m'arrête. C'est pas parce que quelqu'un est venu, il a pensé que je ne devrais pas faire ma vidéo. I'ma do it, bonsoir. Bonsoir. Reine Kems, comment ça va? I need some dollars. I need rooms for my legs. I need room. Can you give me some room, please? All I really want to see is money. I got bags in the. Trust me, I will shoot. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, on est en train de brûler ça avant de bavarder. Bonsoir. Avant de faire le tourlis, on va d'abord brûler ça. Vous êtes dans vos lits là-bas, priez pour moi. Hein? Parce qu'il y a des sept icônes qui ne veulent pas que vous disent ce que j'ai à vous dire ce soir. Dès que j'ai brûlé la sauge comme ça, là, bien. Et on refait la même chose. On va parler des choses très sérieuses ce soir, malgré le fait que ce message ne voulait pas sortir. Donc, beaucoup de choisis, vous êtes sous attaque. L'argent que tu as reçu depuis 6 mois. Tu ne sais pas d'où ça sort. Hein? Tu ne sais pas d'où ça sort. Tu ne sais pas d'où l'argent sort. Hein? Tu ne sais pas comment ça va venir, prêt pour venir à toi. Ce n'est pas déjà, tu as un boulot. Tu es en train de finaliser ton immeuble. Alors que tu n'as pas un salaire de 2000 euros le mois. Tu ne connais pas d'où ton argent sort. Quelqu'un entre dans ta vie, il dit, mais la fille, si. Tu nettoies Carrefour, non? Tu as un petit boulot, non? Comment ça se fait que tu as... Comment tu as acheté le terrain, tu as acheté la voiture? Écoutez, les choisis. Les gens vont vouloir vous embrouiller sur votre argent. Écoutez-moi bien, tendez bien l'oreille. Vous tendez l'oreille. On va vous demander d'expliquer votre argent. Bonsoir la reine Sandrine. Bonsoir la reine Ghislaine. Maintenant, je vois les commentaires. L'argent des choisis ne sort pas comme l'argent de tout le monde. Bonsoir la reine Mireille. Donc tu restes comme ça là, tu te dis. Il suffit seulement que tu attrapes un projet. Vous aimez les problèmes, hein? La reine Marie-Blanche, regarde. Les gens m'apportent les glosses chaque jour, regardez. Il faut remettre quand même pour vous dire merci, non? Les Français m'ont donné les cadeaux jusqu'à. Tu vas rester comme ça. Si tu veux même dire d'où ton argent sort, tu peux pas expliquer à quelqu'un.
Il suffit que le projet entre dans ta tête, tu dis que je veux ça. Peut-être pour toi, c'est une voiture. Donc, quand tu vas conduire la voiture, là, on va te regarder comme ça, on aura la chair de poule. Une fille comme elle, avec le boulot qu'elle a, elle fait comment pour aller changer la voiture ici? Tu es dans ta voiture chaque matin, tu mets la musique. Shut it down, baby. Chop it in the air. Snap it in the air. Hey. Moi, j'aime les choses comme ça. J'aime l'argent. Oh my God. J'aime l'argent. On dirait qu'on se dit que tu mets tes lunettes de soleil. Donc, votre coffre à gants là doit avoir, à part les papiers de la voiture. Bonsoir, Cadillac Selby de République Dominicaine. On te donne ta boîte à gants doit avoir 5 paires de lunettes. Tu as les lunettes du matin. Tu as les lunettes de midi quand on prend le truc là. Vous savez que moi j'aime les choses comme ça, non? Tu as les lunettes quand tu fais les longs voyages. Tu as les lunettes quand tu es sur l'autoroute, il y a le soleil qui fait un peu un genre comme ça là. Voilà. Le baffle, la tuner, ça, le tuner, faut baffler dans vos voitures. On a déjà parlé, on a fait des conférences sur toi la nuit. Mais la fille là. La voiture, quand elle a acheté la Mercedes, on en a parlé. Doivent encore acheter ce qui est plus que l'autre là. Hey! L'argent de choisir. Écoutez, comprends pourquoi. Comprends pourquoi le direct était trop arrêté. Votre part d'argent là, c'est le helélé. Il suffit que tu restes comme ça, tu mets ça dans ta tête. Il me faut la voiture là. C'est que le moteur de les nouvelles Benz là, c'est un moteur qui est violent. Ça fait mal aux oreilles. C'est comme si c'était le lion qui te trouvait dans le lit la nuit. Il dit que yeah. Oui. Non, l'argent est doux. Nathalie, l'argent est doux. L'argent est doux. Tu as dans les lunettes et la voiture arrive. Je prophétise la voiture là, que là, la reine Marie. Tu as dans les lunettes, c'est que c'est bon. Tu es prêt. Tu es prêt. Je valide et je signe ton dossier. Ça passe. Je signe, ça passe. Parce que quand vous essayez de trop réfléchir dans votre tête pour voir comment l'argent là va venir, est-ce que vous savez que c'est ça qui garde l'argent là, vrai, vrai? Vous vivez et vous êtes entouré d'incrédules. Un incrédule, c'est quelqu'un qui entend ce que l'esprit dit, mais il ne croit pas. Un incrédule, c'est quelqu'un que... Bon, il est un, après il est créé, et puis il est Dieu, mais c'est vrai. Non, je blague. Il fait de son mieux pour ne pas comprendre. Donc, quand tu tombes sur l'incrédule, tu dis, mais... Il y a l'aéroport, une dame me voit. Hey, je veux connaître si... Tic-tac, tic-tac. Tu te laves avec le sel. Tu veux... Moi, je voulais vous venir voir Yaoundé. Je vais d'abord venir vous voir Yaoundé. Dites-moi un peu. Et tu regardes. Tu regardes la femme, DHL arrive dans ton pays, ma chérie. Et ça va avec DHL, on envoie. Tu regardes la femme comme ça, tu vois ses yeux. Sans qu'on a mis le voile sur elle. Marie de nuit, oh, c'est dedans. On s'accorde ensemble, la reine Marie-Blanche. Reçois ta voiture. Oui. Le vent de la nouvelle voiture a frappé sur moi. La voiture 2002, quand même, c'est différent. L'air qui sort dedans, ce n'est pas le même air, là. Tu vois un peu. Mais mamie, tu m'écoutes depuis 3 mois. Et c'est que vous êtes pleine ce soir. Vous m'écoutez, vous faites comme ça là. Hein? Depuis 3 mois. Donc tu n'as jamais eu l'envie ou le doute ou la tentation de verser un peu le sel dans l'eau pour voir ce que ça va faire. Hein? Non. Incrédule de ton état. Tu fais un couture. Que tu pars, tu ne fais pas.
Selon vos voitures, selon vos voitures. La reine Delphine. Ma colle avec toi, on signe les papiers de ta maison. Tu as beaucoup d'offrandes. L'esprit t'a dit de faire beaucoup de choses, tu n'as pas fait, Delphine. Tu as déjà fait un don à un orphelinat. Ange Désiré, merci pour le compliment. Il accepte de faire compliment de tout le monde. Il y a un compliment qui vient, je refuse. Tu viens, tu dis, il dit non. Il dit, va te laver avant de venir me parler. Bonsoir, le roi Paris. Angèle, je fais des directs tous les jours. C'est toi qui n'es pas venu ici. Ange Christelle. Prends celle vos voitures. Votre énergie ou votre vision, vous devez protéger. Vous m'écoutez? Attendez, je vais vous lire un peu les témoignages. Je vous dis de protéger vos oreilles. Il m'en fout de ça. Il m'en fout de ça. Ça a le goût, hein. Tu me reconnais? Tu me connais où? Il m'en fout de toi. Il y avait le témoignage de qui? Vous avez tellement de témoignages. Voici mon statut. Il y a une, elle a dit qu'elle est devenue marabout. Elle est devenue marabout du spirituel. Que quand elle prend son don comme ça là, elle prend le tout le matin, elle parle. Attendez, je vais chercher les captures d'écran des témoignages. Voilà, il y a une reine. Merci beaucoup, ma reine. Avant, j'avais pas d'abonnés. Mais depuis mon lavage, j'ai eu 10 000 abonnés. Et ça continue. J'ai écouté votre conseil qui disait que le téléphone doit servir à quelque chose, pas seulement à appeler. Et après, on me dit de ne pas poster son truc, de peur qu'on la reconnaisse. Vous, les Decepticons, on vous connaît déjà. Nous vous connons. Nous vous connons, Decepticons. Elle dit, il y a une autre. Que ma reine, oh, non, tu as fait de nous de vrais petits marabouts. J'ai composé mon bain ce matin. Du kit commerce, j'ai regardé comme ça, j'ai dit que c'est moi ça. J'ai mis tout l'arsenal que tu avais. J'ai ri jusqu'à. Depuis que je suis en route, je pense à ça et je ne finis pas de rire. Il y a l'autre qui dit, merci ma reine, je ne dors pas, j'écoute tes enseignements et je me découvre de plus en plus. Bonjour ma reine, j'espère que tu te portes bien. De mon côté, ça va. J'ai eu la visite d'un deuxième ancêtre dans mes rêves. Il ne me lâchait pas, il veillait sur moi. L'agneau rebellé. Toi aussi, tu avais les détracteurs. Hein? Tu as dû changer de compte. C'est bien. Tu es devenu sage. Tu as le nom. Comme Moncam Sylvie. On dit, ah, Moncam Sylvie. Donc, tu te laves au sel et ça marche. Allons un peu visser la Moncam. Makungan Mireille. Je ne connais pas vos noms. Je dis seulement au hasard. Elle dit que son ancêtre ne la lâchait pas. Il veillait sur elle. Il me malait quand elle prenait une douche, il s'est assis là-bas. Et puis il a dit qu'en dormant, il ne couvre plus son visage. Parce que si elle, quand elle couvre son visage, elle respire mal. Il y a une autre que voilà. Bonjour ma reine, comme tu le sais, je suis rentrée du pays il y a 10 jours.
À mon retour, je reçois un courrier de la commission des services de la mairie en charge de l'éducation qui refuse notre demande de dérogation pour la poursuite de la scolarité de ma fille dans l'école où elle est actuellement. Tu as fait son lavage ce lundi, ça c'était lundi passé. J'ai pris rendez-vous avec l'adjointe au maire en charge du pôle éducation qui m'a reçu hier en me réitérant que c'est non, mais qu'il va recontacter, il va me recontacter dans les 3 jours pour une réponse définitive. En parallèle, hier, je demande à rencontrer le chef, son chef, le maire de la ville. Ses services me répondent rapidement et me donnent rendez-vous cet après-midi pour le rencontrer pour sa permanence. Lors de sa permanence, pardon. Et à l'instant où je t'écris, je reçois un appel de l'adjointe du maire que j'ai rencontré hier en confirmant que ma demande est acceptée. God is good, je suis tellement heureuse et je ne pouvais pas ne pas partager avec toi ce témoignage de cette manifestation de l'esprit. On scelle ton témoignage au nom de Jésus. Il y a l'autre qui dit, j'espère que vous allez bien de mon côté, ça va. J'ai acheté mon bâton de commandement aujourd'hui. Je suis arrivée à la maison ce soir, je l'ai sorti de sa pochette. Et très fort, je l'ai serré dans ma main droite. Mince, la puissance de ça, hein, que ça envoyait en moi. J'ai ressenti une très forte bouffée de chaleur. Et quand j'ai fermé les yeux, un lion a rugi en moi. Il a fait comme ça. Ouah! Il a fait. Ouah! Je sais pas. Bon. J'essayais d'interpréter, mais ça marche pas. Il a fait. Ouah! Non. Essayez un peu de rugir, si on voit un peu. Bon. J'ai mis mes intentions et depuis, je l'ai remis dans la pochette. J'ai le visage d'un lion qui rugit dans ma tête. Mon corps vibre partout. Voilà, c'est juste ce que je retenais à partager avec vous. Bon. Je m'en fous de toi. J'aime la chanson, c'est. Que tu me reconnais. Toi et moi, on dit quoi ensemble? Est-ce qu'on conduit les mêmes voitures? Je cherche encore les témoignages. Bon, ma reine, je viens de témoigner sur le lavage au sel. Depuis que je me suis abonnée à ta page, je me lave tous les jours au sel. Alors, en ce moment, je suis en train de faire le lavage pour le début du mois. Tout à l'heure, je me suis assoupie 1 minute sur le canapé. Je me suis vue en train d'arracher un masque noir de ma face. Et en dessous, c'était ma vraie peau. Stella, tu veux que j'imite encore le lion? Je vais te fouetter, je vais chercher le bâton pour toi. En dessous, c'était ma vraie peau toute éclatante qui ressortait. Je sais que l'Éternel a enlevé tout masque sur mon visage, car cela a toujours été l'un des sujets phares de mes prières. Je viens encore remercier notre Créateur pour ses grâces et le Saint-Esprit qui agit en nous. Merci. Bonjour ma reine, j'espère que vous allez bien. De mon côté, là, c'est les témoignages de partout dans le monde. Donald, si tu composais, il y a le lavage pour les composants qui composent là demain. Je viens faire un témoignage par rapport au lavage à distance que vous avez fait pour mon copain. Ses finances rencontrent beaucoup de problèmes en ce moment. Mais au moins, je suis satisfaite par ce que j'avais demandé pendant le lavage, que tous ceux qui lui doivent de l'argent commencent à le rembourser avant la date de paiement. Et cela est en train d'être fait. Je tenais à vous dire merci. L'autre dit, je termine le kit déblocage. Le résultat, c'est la magie. Je suis satisfaite, je me sens plus légère. Abdul, débloque-toi avant d'abord. Si tu avais l'argent, c'est que tu n'es pas ici en train de me demander si je suis mariée. Je me sens plus légère, je reprends confiance en moi. Mes revenus financiers commencent à croître. Mes décepticons me boudent. Les exticons reviennent. Et comme réponse à leur drague, je dis, excusez-moi. J'ai affaire, j'ai une entreprise à gérer, le goût de ça. Vous là, hein? Vous avez les vengeances personnelles. Chose que je ne pouvais pas dire avant parce que j'avais perdu confiance en mes capacités. Bonjour, ça c'est David, David Nekafo. Bonjour ma reine, grâce et gratitude à toi. Après mon bain de pied,
Dans la nuit, tout le monde venait me donner de l'argent partout. On me donne l'argent. Tu vois, tu as eu ton diplôme d'aide-soignante en 2018. Et tu n'as jamais eu de travail jusqu'à ce que tu commences à te laver le sel. Abdou, ne te dérange pas, je bloque les gens. Hein. J'ai le doigt facile, je bloque. À débloquer, oh. Bon, il y a aussi une qui a reçu. J'ai acheté, ma reine, j'ai acheté pour moi et mon chéri, depuis que j'ai porté pour moi les bracelets. Voilà, elle a porté le bracelet. Voilà ça. Elle fume, elle m'envoie avec son gars. Ils ont pris les batteries de bracelet, ils sont contents. C'est quand on voulait ton parfum, c'est dans ton porte-monnaie. Un contrat de 5 mois qui finit ce mois dans un hôpital public. On prolonge ton contrat, c'était là, au nom de Jésus. Marie, j'ai acheté le bracelet. Depuis, j'ai porté. Pour moi, mon cœur chauffe seulement, ça vibre. Elle me demande si c'est normal. Bon, il y a une dame, celle qui a, je crois que j'ai mis la, j'ai posté ça sur la page l'autre jour, hier. Une dame qui a fait le lavage, et elle a trouvé un bout de papier dans le téléphone de son, dans le porte-monnaie de son mari. Et sur le bout de papier là, il y avait des sortilèges que le monsieur avait écrit pour la bloquer. Son propre mari. Vous n'avez jamais vu quelqu'un mettre le gloss sur son, sur sa bouche. Trois fois en 20 minutes, non. Continuons. Vous allez être faire face. Parce que votre argent est dans votre tête. La décision de vouloir quelque chose et d'avoir la chose, ça vient de ta tête. Tu te lèves, tu dis, je quitte de la location cette année. Ou bien je sors de la maison de mes parents cette année. La décision va venir de toi. Quand l'enfant prodige est parti, il a mangé l'argent. Il a fait le boucan. Quand l'année est finie, si ça bloque, vous revenez seulement, ça va encore donner. Un moment, il reste et dit, je suis cela, je souffre. Alors que chez mon père, même les employés mangent bien. Il porte ses pieds, rentre chez son père. Quand il arrive, le père lui donne tout. Mais pour ça, il a dû changer ses pensées. Parce qu'au début, il culpabilisait. Voilà, j'ai abusé de l'argent de mon père. J'ai abusé de... Mon père ne peut plus m'aimer. Mon père ne peut plus m'aimer. S'il appelle ma mère, celui qui va m'insulter. S'il fait même la demande d'amis sur Snapchat. S'il passe sur son TikTok, il va me bloquer. Voilà ce que l'enfant prodige disait de son père. Et si la reine Stéphanie. Moana. Un jour, elle s'est dit, j'ai même peur pourquoi. N'est pas c'est mon père. Un jour, tu vas rester, tu vas dire, ma chérie, on passe autant à t'appeler boss. Dis que tu ressembles à une femme qui a l'argent. Ce n'est pas le hasard. Veux l'argent, parce que tu as déjà l'argent. Tu dois vouloir, veux. Dis que je veux. 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 Veux alors. Veux l'argent maintenant. Vous ne votez toujours pas. Vous ne votez pas. Veux. Veuillez.
Veuillez l'argent. Voilà. Maintenant, vous parlez bien que je veux. Voilà. Tes gars et tes clients te reviennent. Faut choisir les clients parce que les gars ne donnent pas l'argent, c'est la cliente qui donne l'argent. Pour la cliente, c'est sûr, à coup sûr. Tu montes, tu descends. La cliente va te donner l'argent. Alors que pour le gars, il n'a d'issue. Il n'a d'issue, sûr. Il peut faire, il couche avec toi, il te tourne, il te tourne, il te tourne. Il t'amène au restaurant, il mange avec toi, il paye, tu manges bien, mais il sort, il ne te donne pas l'argent. Alors que ta cliente, écoutez, hein, il ne faut pas seulement venir écouter mon beau visage ici là quand il parle. Vous avez compris? Si tu m'écoutes depuis plus de 3 mois et tu t'es lavé avec le sel pendant les 3 mois, tu n'as pas trouvé 25 000 pour venir acheter un produit chez moi. Quitte-tu ma page. Tu pars ailleurs avec ta malédiction. Malédiction, tes tutesses, désobéissance, tout ça mélangé. Parle pas avec ailleurs. Ce que j'ai dit ici, c'est comme si on avait une salle, on enseigne. Certains rentrent à la maison, ils bûchent. Ils bûchent. D'autres rentrent, ils dorment. Ils disent que je connais le prof qui a l'eau. Ton eau là, ce sera l'eau du marigot. Tu vas lire. C'est pour ça que Jésus disait que le temps de l'enlèvement va arriver. Ils seront tous les deux sur le toit en train de piler. Kouchou, kouchou. Je pile le tarot, tu piles le tarot. Je fais tchou, tu fais tchou. Je fais tchou, tu fais tchou. Ça va venir prendre une personne, ça va partir. Parce que c'est la personne-là qui faisait et qui a cru. Va te laisser. Tu aimes les euros, hein? Na, wow. Si tu viens d'arriver sur ma page, achète le sel de 500. Tu déposes dans ta douche. Mais viens pas encore acheter mes affaires parce que mes choses sont bien. Je mets l'argent, le prix sur ça. Il met le prix sur ça. Parce qu'il pense que vous devez payer pour les enseignements. Mais heures qu'il passe à enseigner ici, là. J'enseigne peut-être 20 000 personnes par semaine. Sur les 20 000 là, 10 personnes vont venir me donner le salaire des 20 000 personnes. 10. 10 vont venir me donner l'argent que 5 000 personnes vont me donner. Si j'ai demandé 5 000 pour les 5 000 personnes, les 20 000 personnes là, 10 personnes vont venir me donner. Ne vous dérangez pas. Mes choses marchent. Donc, si tu écoutes, et Jacques a dit dans la Bible, que ne soyez les faiseurs. Faites. Si c'est pour aller faire l'amour, vous êtes prêts pour aller faire. Quand on te montre un truc qui va t'aider, tu ne le fais pas. Vous décrisez. Tu es folle. Tu es fou. Je purifie même l'atmosphère ici. Votre plus grande bataille, on va venir vous dire comment votre argent ne va pas venir. Voilà comment les conversations là commencent souvent. Tu veux me faire quoi dans la vie? Ta maison que tu disais que tu voulais construire là, voilà, il y a seulement 3 mois. Tu as dit que tu faisais ça en août. Tu as dit que tu voulais la voiture, non? Pour les 7 petits qu'on soit à côté de vous, hein. Leur bouche a fait tout. Explique-moi bien, ton gars là, il va prendre l'argent pour t'épouser. Il va même te doter avec quoi?
Ils ont les. Et dans la nuit, Dieu t'a dit que that is the man. Dieu t'a dit que c'est le gars-là. Que c'est le gars-là. Qu'on vient de faire tu commences à douter. Tu commences à faire toi-même. Mais tu commences à faire toi-même. Parce que tu commences à questionner Dieu dans ta tête. Dieu te dit que, ma chérie, tu es partie à l'ambassade, tu as déposé tes dossiers pour venir ici dans le pays, ici là, non? On t'avait dit que ça ne va pas passer, non? Qui t'avait donné le visa? Tu fais, toi, Dieu. Il dit, Tu te rappelles quand tu es parti déposer ton truc pour demander l'asile, là? On t'a dit qu'on ne pouvait pas te donner, non? Parce que tu étais nouvelle, tu avais à passer l'âge. Qui t'avait donné ça en 3 mois? Toi, il fait. Tu te rappelles quand tu as fini de tu cherchais le boulot pendant que tu étais étudiante. On t'a dit que les étudiants ne travaillent pas dans le pays ici. Qui t'a donné le boulot pendant 4 ans que tu étudiais? Toi. Dieu dit, zip it. Écoute, zip it. Zipit, ça veut dire, mets la fermeture, c'est ça, tu fermes. Que tu fais. Tu fermes ta bouche. Ferme ta bouche. Bonsoir, la reine Clémence qui me donne les cœurs chaque jour. Je vais te poster les cœurs. Ça va venir à la poste. Tu es dans quel pays? Et la reine Clémence, je dois te poster les cœurs. Ça doit venir vraiment. Tu oublies. Tu oublies que quand tu as commencé l'affaire là, on t'a dit que tout est contre toi. Laisse tomber. Tu dis que non. Je dois partir. Je dois partir. 2 heures du matin, quelque chose te réveille. L'esprit te dit, ma chérie. Vois-toi déjà de l'autre côté. La Tunisie, quand on dit qu'on ne traverse pas vite là. Lève-toi le matin, tu déclares. Quand on va te dire que les passeurs ne viennent pas, que oh, l'argent ne suffit pas, dis seulement dans ta tête que à gogo. À gogo. À gogo. Écrivez cela que à gogo. À gogetam. À godouam. Chacun écrit sa part. Bonsoir mes nouveaux abonnés. Abonnez-vous, partez sur YouTube pour vous abonner aussi. Abonnez-vous. Facebook a tellement dérangé ce soir que j'ai failli faire que je dirais sur YouTube. Donc je bénis ceux qui viennent d'arriver. On met un peu de sauge. Agogetam. Agodouam. Agogo. Agogetam. Vous, c'est là, vous allez tout terrain. Vous allez tout terrain. Tu viens d'arriver comme ça, là, Dieu te dit, ma chérie, dans 3 mois, tu seras en train de travailler dans le building. Ici. 4 jours plus tard, tu passes là-bas, il dit que va déposer ton CV. Tu dis, c'est Dieu qui t'a parlé. Dieu te donne toutes les idées qui vont t'élever. Ils ont toutes les grosses idées là. Tu vois, déjà que tu vois une voiture passe comme une Mercedes, dernier modèle. On te dit que le genre de Mercedes là, il faut le crédit bancaire. Il faut le CDI, avec le CDA, avec le CDV. Tu dis, agogetam. Agogetam. Oui. On dit vraiment, le réseau là, il a fermé. Le réseau là ne passe plus. Tu dis à gogo. À gogo.
Quelqu'un de bas, tu fais, je m'en fous de toi. Je m'en fous de toi. Que mais non, regarde, ce n'est même pas possible. Elle, je m'en fous de toi. Hey, faudrait commencer à chanter des chansons sur les gens. Quelqu'un est sur ça là. Il est en train de te parler. Tu vois, quand on te fait un sermon, Dieu nous a trouvés dans le pays ici. On est ici depuis 25 ans. On connaît comment ça fonctionne. Écoute-nous. Après, il est sur ça. Tu commences à chanter des chansons. Tu me connais. Tu me reconnais. Tu fais dans ton cœur. Ils sont tous bavardés. Quand tu sors de là, tu sors de ta chanson. Je m'en fous de toi. Ah. Non, on connaît ce qui est bien pour vous. Vous connaissez ce qui est bien pour vous. Kavia, toi, tu veux que tout. À gogo, à gogetam, à godouam. Tu veux que ça manque tout. Hein? Épiphanie, je suis dans mon direct, ça me plaît jusqu'à. Hein, Épiphanie? Mon direct me plaît. Parce que quand tu penses, il faut qu'elle laisse ce que je suis en train de faire pour venir m'adresser. N'ayez pas envie. Ça va pas te tuer. Si tu ne connais pas ce qu'il faut faire avec l'eau. Si quelqu'un connaît ici, dites-lui pardon. Mais ça va pas te tuer. Il n'aura kill you. Je suis en train de te parler de foi. Tout à part ce que tu veux le faire. Vous êtes trop distrait dans votre vie. Vous êtes distrait. C'est pour ça que dans la Bible, quand Élie montait, il dit à Élisée que si tu me vois, que tu as demandé quelque chose qui est dur. Tu as demandé quelque chose qui est dur. Tu dis que tu veux avoir le double de mes pouvoirs. Alors que c'est moi qui t'ai formé. C'est dur. Et c'est pas impossible. Ne me perds pas des yeux. Si tu me vois quand je pars, tu auras ce que tu demandes. Et c'est ça votre problème. Vous êtes facilement distrait. Si tu es tombé sur ma vidéo pour ta première fois aujourd'hui, comment on dit tu es là, tu es là. Ce que tu es en train d'écouter maintenant là, c'est pour toi. Ouvre ton cœur. Ne dis pas que je ne connais pas le ciel, je ne connais pas. Donc ce qu'elle me dit, ça ne va pas m'aider. Il n'y a pas de hasard. Donc, je vous ai encore dit. Votre âme, c'est dans votre tête, c'est dans vos yeux, c'est dans votre bouche. Il y a les endroits, allez chercher les immeubles les plus chers de votre ville. Là où donc, si on dit que. Est-ce que vous savez que je suis sûr qu'à Douala, il y a les endroits où on loue le moins à 5 millions? Je suis sûr. Va chercher ça là-bas, tu regardes. Que donc, quand en un an, je ne gagne pas 5 millions là, il y a les gens que par mois, 5 millions, 5 millions. S'il dépense 5 millions, imaginez alors, ça veut dire que chaque mois, il a combien dans sa poche? Il doit être dans les 150 millions de mois. Et ça existe. Ah, les petites que tu fais, un petit kit, le sel de 2000 te dépasse. L'ensemble de 3000 te dépasse. Je ne conseille pas trop de partir et laisser ses enfants derrière. Personnellement, je vois les dommages que l'absence d'un parent aimant fait sur les enfants. Vanelle ou Vanessa, je ne sais pas trop que. Quelqu'un a dit Van Lier. Tu peux poster, non, mon gars, ça. Tu poses que ça arrive à Douala. Quand ça va arriver à Douala, il va prendre un polo par là. Il va dire Reine Jocelyne. Il va entendre, il va venir prendre. Il y a le numéro ici.
Vous devez garder précieusement dans votre cœur ce que Dieu vous a montré. Ah, tu rêves que ton entreprise soit une multinationale, ok? Alors que pour l'instant, c'est dans ta chambre que tu fais ça. Dieu m'a dit multinationale. Donc ton opinion m'importe peu. Je m'en fous de toi. Je m'en fous de toi. Ah, on t'a dit que tu seras star. Ok. D'accord. Tu as vu qui dans notre famille là, star? Tu as vu qui? Donc tu penses que c'est toi? Oui, Dieu m'a dit que je serais la première milliardaire dans ma famille. Oui. Parfois, on n'a même pas besoin de partir leur dire. Parce que vous cherchez les problèmes. Joseph est parti, ça passe, on sent qu'il a eu des problèmes. Ah, donc, tu vas t'élever devant nous. Hein. C'est ça. N'attirez pas les problèmes sur vous. Tu dois savoir juger, jauger, tâter. Comment tâter? Tu vois, non? Tu tâtes. Est-ce que c'est bon? On ne dit pas ces choses à n'importe qui. Parce qu'il y a des personnes qui sont tellement jalouses de vous. Les jaloux. Les choisir, est-ce que vous savez que ce n'est pas quelqu'un qui fait semblant ou qui connaît les lois spirituelles qui est choisi? C'est dans le sang. Tu es la bénédiction. Yann Farid, je vais te bloquer de ma page. Tu as compris? Je vais te bloquer. Tu me dis d'aller me reposer, c'est toi qui me donnes le sommeil. Hein? C'est parce qu'on se faisait chercher l'argent. Hein? Vous ne connaissez pas. Tu cherches l'argent et ton corps te contrôle encore. Tu ne connais pas ce que tu veux. Il faut que j'aille me coucher. Tu as fini tes objectifs de la journée. Voilà ce qui vous. J'ai les talents, j'ai les dents. Hein? Il est à 22h, il faut qu'il n'ait pas dormi. Pardon, ne fais même pas que j'ouvre l'autre là. Donc, c'est comme si tu étais tombé dans la potion magique quand tu étais petit. Tu n'as plus besoin de boire. You don't need it. Ça coule par les oreilles, les yeux, la bouche, partout. Ça dégouline. Tu essuies, dès que tu finis d'essuyer, ça coule encore. Quelqu'un vient, il prend. Tu prends 50 000. Tu te caches, tu manigances, tu mens. Aussitôt que tu prends, en fait, ça multiplie même par 10 pour revenir. L'agneau, il faut parler, non? Tu lis ton œuvre seul. Est-ce que tu lis l'œuvre avec quelqu'un? Ne fais pas, tu lis le seul nom. Quand tu es dans ta pauvreté, est-ce que tu es avec quelqu'un? Quand ce soir-là, tu es en train d'écouter, il n'y a même pas la lumière chez toi. Tu es sur le canapé de quelqu'un. Après, tu vas mettre la natte au sol pour te coucher. Tu es avec qui? Tu es seul, non? Une place. Une place. Vous êtes même père, même mère. Même père, même mère. On t'a dit, tu as cru. Tu crois que ta royauté ne vient pas de maman ni de papa. Ton frère dit, oh, il n'y a même pas un petit point, lance-moi, non, donne-moi le taxi, je conduis. Oh.
qu'on t'annonce ce que tu crois. Je crois même que quand l'ange est venu annoncer à Marie, Marie devait même être la 50e personne qui l'approche ou la 300e personne. Imagine Dieu envoie l'ange. Ange, va annoncer la bonne nouvelle à Joséphine. Il arrive, Joséphine est en train de laver les habits. Bonjour, je viens de la part de l'Éternel Yahweh. Tu vas enfanter un homme. Hop, 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 hop. Pourquoi le gars là, non? Monsieur Da Silva, là, qui fait? L'ange plie, il plie ses bagages. Dieu, elle là, c'est pas elle. Dieu dit, va voir Pascaline. Ouais. Il voit Pascaline. Pascaline est en train de, je sais pas, elle est en train de piler le macabre. Et puis, je dois faire un livre où j'intitule le livre Les histoires de la Bible selon Joséphine. Vraiment, parce que ma part là. Et puis, Pascaline pile le tarot. Écoute. Et puis encore, il y avait les petits bouts dedans. Et puis, là j'arrive. Béni sois-tu, Pascaline. Chérie entre les femmes. Et au gong, ok. Et elle se lève et pas dit à son père. J'ai vu un homme là-bas, il dit que pendant qu'elle n'a pas dit, là, je fuis. Finalement, on tombe sur Marie. Il y avait la cousine de Marie dans la chambre. Sa petite soeur l'avait envoyée à la boutique. Sa dernière petite soeur était en train de préparer avec la mère à la cuisine. Non, mon inspiration, c'est là. Il arrive. Tu es bénie d'entre toutes les femmes, Marie. Elle dit, which kind of salutation is this? Attendez, je vais prendre la parole. Il parle. Après, il dit, ah, ça va passer, ça va se passer comment? Je vais tomber enceinte de comment? Il dit, le Saint-Esprit va te survoler. Et tu vas tomber enceinte. Je suis la servante de notre Éternel. Qu'il me soit fait selon ta parole, Seigneur. Et la Bible dit, bénie est celle qui a cru. Parce qu'il y aura une manifestation des choses qui lui ont été annoncées de la part de l'Éternel. Ah! Si tu n'as pas compris, l'autre, c'est qui tu dirais qui n'a pas dormi? Qui tu n'as pas dormi? Moi, mes enseignements, ce n'est pas pour les enfants. Ça, généralement, mes enseignements, les gens ne. Sont concentrés pour écouter. Parce que quand vous m'écoutez, votre esprit en train de. Votre esprit dans tous les sens, dans le corps. Tu dis, mais. Oh oui, ça te réveille, si ça réveille là-bas. Non, moi, il vous réveille. Oui. Il vous réveille. Les enseignements, ce n'est pas pour n'importe qui. Luke 1, verset 29. I'm going to read in English, okay? Mary was greatly troubled at his word, at his words, and wondered what kind of greeting this might be. Like, c'est quelle qualité de salutation ça? But the angel said to her, do not be afraid. La reine Marie Blanche, c'est la haute tension, hein? He said, do not be afraid, Mary. You have found favor with God. You have found favor. Je vous annonce ce soir que vous avez trouvé la faveur avec Dieu. Écoutez, beaucoup de Jésus sont en train de naître dans votre esprit ce soir. Vous avez les projets que vous allez faire dans 20 ans. Quand on va remonter, vous allez voir que c'était le soir-ci. Donc, Jésus là est entré dans votre tête ce soir. Il n'y a personne d'autre que vous et le Saint-Esprit. Il n'y avait pas eu d'homme. You will conceive and give birth to a son. And you are to call him Jesus or Jesus or Yeshua. He will be great and he will be called the Son of God, the Son of the Most High.
The Lord God will give him the throne of his father David, and he will reign over Jacob's descendants forever. His kingdom will never end. Et là, Marie dit, how will this be? Comment ça va se passer? Maintenant que j'ai accepté, Papa God, j'ai accepté, non, j'ai accepté la Bentley, j'ai accepté la Cayenne. L'immeuble là, j'ai accepté. J'accepte finalement que je vais avoir l'immeuble à 7 ans. À 7 ans. Elle a dit, je suis vierge. Comment ça va se passer? Je n'ai pas l'argent. Ça va se passer comment, Gabi? Gabi? On appelle l'ange. Gabi? Gabi, tu es où? Gabi, comment ça va se passer? J'ai pas... Gabi, je n'ai même pas... pas de mon crédit bancaire, c'est à zéro là, je sais pas. My credit score is low. Mon credit score est bas. Gabi, ça va se passer comment? Elle a demandé que ça va se passer comment? Parce que ma condition présente, même si on additionne en soustrait, ça ne peut pas donner. Explique-moi alors. Alors Gabi qui parle. The Holy Spirit will come on you. Le Saint-Esprit va venir sur toi. Recevez le Saint-Esprit maintenant. Recevez le Saint-Esprit maintenant. Recevez le Saint-Esprit maintenant. Il y en a parmi vous, ça vous fait trembler carrément. Ne résistez pas. Si vous tremblez, tremblez. Tremblez, oh, laissez ça dans tout, tout le corps là. Oui. Il y a beaucoup de blocages qui sont en train de sortir de votre corps ce soir. Il y a les araignées qu'on avait mis dans vos articulations. Je vois quelqu'un avec des genoux, Je vois aussi quelqu'un avait des douleurs dans les bras ici. Ici. Il y a beaucoup de frustration d'enfance là-bas. C'est en train de sortir. Quand il parle comme ça, là, tu sens la chair de bouc qui te prend. Assurez-vous que si vous tombez au sol, que vous soyez sur le tapis ou oh, pardon. Moi, je ne veux pas. Le Saint-Esprit va venir sur toi et va te couvrir. Et il dit, so the Holy One to be born will be called the Son of God. Et quand il va vous parler, il va même donner le nom du business. Très bien, ça, j'ai mis la chair de poule dans les cheveux. Waouh! Et le Seigneur me pointe en fait que pour sauver, il va vous sauver. Il va sauver les membres de votre famille en mettant votre parole dans leur bouche. Non, leur parole dans votre bouche. Parce que l'ange vient, il lui parle de Jésus et il lui parle aussi de sa cousine. Even Elizabeth, your relative, is going to have a child in her old age. And she who was said to be unable to conceive is in her sixth month. Vous voyez que c'est deux cas qui sont toujours impossibles. Donc, t'as pas là, il n'y avait pas moyen que ça marche. Pour ta cousine, il n'y avait pas moyen que ça marche. Pour ton grand frère, il n'y avait pas moyen que ça marche. Dieu vient, il te fait le coup double. Buy one, get one free. Il te fait le coup double, il met les jumeaux. Que ta part, Gowaka. Pour ton frère, Igowaka. Tu dis, j'attrape, je reçois, recevez. Et après, il ajoute à la fin, oh my God, oh yo Seigneur. Et la chair de poule sur tout le corps. Pourquoi tu penses qu'il lui donne le coup double de... Tu vas tomber enceinte. Ta cousine qui était vieille là, elle a 82 ans, ou c'est 93 ans là. Elle aussi, elle est enceinte. Mais elle ajoute au-dessus. No word from God will ever fail. Aucune parole venant de Dieu ne peut échouer. C'est vous qui doutez de Dieu.
Dieu n'est pas un homme. Ah oui, tu sais, moi j'ai eu les hommes, ils m'ont fait les promesses. Ma chérie, qui te fait respirer? Dieu fait comme ça là. Quelqu'un dans le ventre d'une femme. Après fait, la femme accouche. Après fait, l'enfant grandit. Toi, si on remonte en arrière, on regarde ça à 40 ans. Soit tu étais dans le ventre de ta mère, en tant qu'ovule ou ovaire. Soit tu étais une toute petite, comme ça la petite. Le corps que tu as aujourd'hui, je crois que ça sort d'où? Dieu a fait comme ça. Te voilà. Je vais m'arrêter là parce que j'ai beaucoup de téléchargements. Ok, ils me disent qu'ils doivent vous dire l'autre partie. Le Seigneur insiste que la partie où elle est quittée, elle est partie chez Élisabeth. Certains parmi vous, oh, Shakarababa, Sikatarabash. L'acte qui a fait que Marie parte chez sa sœur, c'est ça qui a fortifié l'enfant dans son ventre. J'entends même qu'il a même mis. Elle a entendu ce que l'ange lui a dit. Le temps là, elle ne voulait pas encore avoir le test de grossesse pour savoir. Il lui dit que ta cousine est enceinte, pas là-bas. Elle quitte, elle se met en route. Je déclare, je vous rappelle que ce n'est pas comme si elle a 6 mois de grossesse. On vient de lui dire. Donc, on va dire qu'elle est à 0,00000 un jour de grossesse. Il n'y a rien, c'est encore pas là. Mais elle ne se lève pas la foi. Elle prend le bus de TGV. Elle part à Bordeaux. Voir sa cousine. Elle arrive. Est-ce que vous savez que c'est quand sa soeur l'a touchée? Pour sa soeur, l'effet, c'était quoi? Elle a été remplie du Saint-Esprit. Pour Marie, c'était quoi? Bien, l'accomplissement de la parole qu'on lui a donnée. Parce qu'elle a backup avec l'action. Ce qui vous dérange, vous n'agissez pas. Moi, je vous dis ça comme on me dit de vous dire. Je m'en fous des conséquences. Tu n'agis pas. Crée la page Facebook. Et moi, je ne connais pas faire les directs. Fais la page YouTube. Et moi, je ne sais même pas parler de quoi. Je vais d'abord décorer mon mur. Faire TikTok. Et moi, je ne connais pas moi lire les vidéos là-bas. C'est trop bizarre. Ça passe vite. Tu as toujours une excuse. Et tes excuses empêchent que ton miracle ne se plante dans ton ventre. Je sens qu'il y a quelqu'un qui est très concerné ce soir. Peut-être c'est toi qui as fait que je suis debout à 23h comme ça. À 22. Voilà, 23h. La foi, c'est la substance. La foi, c'est l'utérus de ton rêve. Jesus! Les téléchargements qu'on me donne le soir, c'est là. Maman mia. Je dirais que ça vient, c'est bon. Les consultations, demande un lavage à doigts là pour les enfants. Ceux qui ont les enfants qui ont les examens là, demain on va faire les lavages. Pour les consultations, demain soir peut-être. Parce que lundi et mardi, je ne serai pas sur place. Je serai dans le pays, mais pas sur place. Mais vous pouvez toujours parler au téléphone.
Vous devez agir. J'aurais pu me décourager, mais fais pas le direct hier. Le message, si elle est venue, après, ça va rentrer dans mon ventre. Demain, il va aller faire caca, ça va sortir. Je ne l'aurais pas sorti pour vous donner. Voilà. Je vais voir, je vais checker si j'ai tout dit. Je pense que c'est tout. Agissez, je vous en prie. Déterminez une ou deux choses que vous devez faire. Et commencez à faire ces choses-là. Bonne soirée à vous. La reine Francie. Francine.